Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui on est le dimanche 8 mars, on s'est levé un peu tôt, il est 6h30, on va faire une excursion, on va quitter le bateau vers 7h pour aller à Chichen Itza voir les pyramides mayas. Allez, je vous emmène avec. On est dans un bateau, on sait pas trop ce que c'est comme bateau, ça, il paraît que ça va vite et que ça fait vomir les gens. Eh bien on se revoit dans 45 minutes si on arrive. Et voilà, on a déjà eu un petit cadeau pour ce départ en bateau, super sympa, un sac à vomi. Ah, mais on voit le Wonder, donc ça c'est pas mal par contre. Alors Fabrice, comment c'était ce petit voyage? Est-ce que tu as passé un bon moment? Super. Et tu sais ce qu'il faut faire ce soir? La même chose pour l'autre sens. Alors on a fait 45 minutes de ferry, puis 2 heures de bus, puis donc les pyramides de Chichen Itza. À nouveau 2 heures de bus et là on s'apprête à prendre le ferry. Alors c'est un peu long pour y aller mais ça vaut vraiment la peine. Donc si vous faites une Disney Cruise qui passe par Cozumel, ça coûte un peu cher, c'est 160 $, mais ça vaut vraiment le coup. Le tour guide était super sympa. On a passé vraiment un très bon moment, moi j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc voilà, faites-le. On
on est à bord du bateau qui nous ramène sur l'île de Cozumel. On comprend pourquoi le déjeuner, comme disait Fabrice, n'était pas très copieux. C'est qu'il vaut mieux avoir l'estomac bien accroché pour ce qu'on va vivre là pendant les 30 prochaines minutes. Nous, ça allait, mais il y a des personnes pour qui ça allait bien moins bien à l'aller. Bon, on va voir ce que ça donne. Le cœur bien accroché, je pense que Fabrice pourra le dire. Prenez un ventilateur et surtout accrochez-vous, essayez de faire dodo parce que c'est long et c'est dur. Ce soir, les adultes investissent l'espace des enfants et vont faire, à mon avis, du slime. Okay, let's see. Oh, this is very neat and put together. Okay.